Ok. Coucou tout le monde. C'est... Bonjour. Ouais, re pour certains, vu qu'on vient de finir Evoland. Pour les autres, ben coucou. On vient de finir Evoland et... Non, je déconne, j'arrête. Donc coucou, c'est Evasan Studio. C'est Evasan Studio, ben toujours... toujours sur le siège passager Jake. Oui. J'aime bien cette van. Franchement, je pense que je vais la garder, je l'aime beaucoup. Ok. Il nous faudrait un photomontage de nous deux en voiture. Oh merde. Et donc au volant, ben, qui font pour jouer à la tête. Ouais. Après, le Evoland, c'est au volant, quoi. Ouais, ouais, c'est Evoland. Oh, putain. Bref, donc je disais, on part sur Dead Cells, on va tenter une partie ou deux en plus un en fonction de si je suis bon ou pas. Voilà. Donc c'est parti, je vous le représente pas, on l'avait déjà fait. Ouais. Et on a des armes avec déjà des plus. Et ça c'est chouette. Oh putain la hache. La hache est pas mal. Damn. Elle envoie des petits coups tals là. Je sais pas avec quoi je vais me battre. Ok, elle est vraiment chouette. Mais le fouet aussi. Comment on fait pour esquiver? Ah oui, B. Non! J'aurais voulu tenter de faire les 30 monstres sans crever, mais... On va tenter. On va tenter de tuer tout le monde sans mourir sur cette porte. Bon, allez, ok. C'est sans prendre un coup, normalement. Peut-être pas sur cette partie. Parce que je crois que ça cumule avec les autres niveaux, et ça, c'est l'enfer. Oh, des gants! J'aime les gants. Est-ce que je les aime mieux? Ouais, je les aime bien. Genre vraiment. Putain, merde. C'est pas moi. Ouais, j'aime beaucoup trop les gants en fait. Bon, je suis en train déjà de me prendre des claques, hein, je me refais au jeu, hein, vous inquiétez pas. J'aurais peut-être dû prendre le shield en fait. J'avais les bons timings. Et donc on va prendre le rouge, parce que mes deux objets scale sur le rouge. Hop. Il y avait rien. On va essayer d'aller là. J'espère que c'est pas déjà à l'autre niveau. Merde. Un invisible. Hop. Eux, ils sont durs, par contre. Oui, par contre, petite chose que j'ai pas dit, vu qu'on est en difficulté plus 1, les monstres sont déjà un peu plus forts. Ça, c'est une chose. Mais il y a surtout des nouveaux monstres, en fonction de là où on va, de là où on est. Genre, dans le premier niveau qu'on a fait la dernière fois... En difficulté normale, il n'y avait pas les invisibles qui envoient des petits couteaux là. Ah, un petit croissant là, mais ouais. Bon, j'ai trouvé tout. Oh non, pas la serre, hein, on n'y retourne pas. Mais depuis la serre, on finissait le jeu vers le palais, c'est ça? J'ai voulu dire. Oui. Oh non, on va pas faire la serre en N plus 1. Bon, je dis N plus 1, mais c'est difficulté plus 1. Hop là. Merde. Il y a un invisible. Je vais d'abord gérer l'invisible. Non ! J'ai pas roulé dans le bon sens. Bon, c'est pas grave. On va chercher des grenades, pour l'instant. J'aime bien la grappe explosive. Mais celle-là, elle est vraiment bien, quoi. Allez, on prend celle-là. Go! Il va falloir penser à l'utiliser. Pas comme ça, du moins. Et on prend le rouge. Parce que pour l'instant, j'ai que sur le rouge, donc ça sert à rien de prendre autre chose. Ok. S'en fout. Non? Ok. Petit bouton. Thank you.
Hop là. Salut. Ah, mais je t'avais pas vu, toi. Il y en a un invisible. J'attends qu'il vienne. Hop là. Merde. C'est bon, il m'a pas eu. Venez par là. J'aime bien écraser. J'avais dit dans la première vidéo que j'aimais bien utiliser ce pouvoir. Pour pouvoir écraser les gens comme je veux. Ça rend de suite le jeu plus facile, c'est vrai, mais le jeu est dur, donc j'ai le droit. Et puis, j'ai rien à faire. Je fais ce que je veux. Chacun ce que je veux. Ah, la promenade. Bon, on va essayer de faire au moins 30 sans mourir, je suis presque. Il me faudrait 8 monstres. Bébé, monte. Je veux bien l'arc à la place de du fouet. Ah, je peux pas le revendre parce que c'était un ennemi. Et mince, ben, j'ai tout fait, il me manque 7 ennemis. Voilà, c'est parce que j'ai fait le bêta. Est-ce que j'ai vraiment, vraiment tout fait? Non, je suis pas allé chercher la Pokéball. Et il y a un bain de sang là, tiens. Parce que la Pokéball, j'en ai besoin pour un monstre. Mais bon, faut garder la Pokéball jusqu'à... Jusqu'à très très loin. Donc je sais pas si je vais le faire. Et puis la Pokéball, je crois que c'est payant surtout. C'est 7500, non? Alors. C'est ça. Ou la carte. Bon bah tant pis. Pas d'ennemis. On part sur la promenade. Bon, on va tenter les égouts. On va tenter. Pas évident, évident les égouts, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je crois qu'il y a un truc sur le côté aux égouts. Voilà. Ah, je l'ai déjà eu, donc il me file de l'argent. Transformez votre or en argent, voilà, super, les deux portes. Nickel. Ah, ça c'est bien, c'est quoi ça? Propulsez-vous en l'air et frappez le sol, infligez des dégâts aux ennemis à proximité. Nah. La faux, non. Le javelot de guerre, ça a pas l'air mal. Du cosmétique. Bon, on va faire le sauvetage de l'or. Hein. C'est le plus utile, on va dire, au niveau, entre guillemets. J'augmente en qualité. Ouais, tire une flèche devant moi, génial. Ouais, c'est pas ouf. Ouf. Ah, les vers sortent des morts, j'aime bien. Bon, c'est pas ouf, ouf ce qu'on a. On va commencer par. Je ne sais pas. En vrai, j'hésite à prendre la vie en plus. Mais la nécromancie, c'est pas mal. Bon, non, on va prendre l'enchaînement. Allez, on y croit. J'ai droit à. Hop, et une flasque. Et pas tout. Alors, en difficulté augmentée, on n'a pas droit à remplir toute la fiole. C'est pour ça que je ne me suis pas trop soigné dans le premier niveau. Mm. Et là, j'ai pu en récupérer une, donc j'ai pu me soigner gratos. Donc ça, c'est chouette. Et ouais, faut faire attention à ce que je fais. Youpi. Dieu sait que je suis pas du tout un butor, donc ça va aller. Bon, testons l'effet déviant sur mon organisme. Non. Oh, l'arc est pas mal. Cela dit, si je veux jouer de loin. Ah, il est rapide en plus. Ah, ça compte comme... Oh non, les dégâts de poison, ça compte comme dégâts pris par les ennemis. Ça, c'est moche. Messieurs, dames, d'avoir fait ça. Ah, je suis dépité. C'est-à-dire que tous les premiers monstres, ils comptent pas si je veux faire mon espèce de fait chiant. Enfin, mon fait. Ma condition de... à la sortie. Oh, croissant. Ouf. Bah, monte, imbécile.
Voilà. Bon. Si on peut monter encore plus. Là, là, là. Ah, et vu qu'on joue en difficulté plus 1, on va pouvoir ouvrir les portes avec une cellule. On avait croisé des portes à cellules, bon, on tarde de vous en montrer. Ah ben là, là par exemple, j'ai une stèle à 3 cellules. Mais je pourrais le faire, parce que j'ai pas 3 cellules, j'en ai qu'une. Il y a un truc là. Non, 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 c'est bon. Bon, pour l'instant, so far, so good. Ah, oh, y'a un légendaire. Faut tuer tous les ennemis. Oh, c'est trop fort. Une arbalète explosive. Yes. Bon, je crois qu'il faut... Ah, y'aura un croissant. À se souvenir, avant de partir du niveau, y'a un croissant. Si je prends trop de dégâts. Ah bah cool, on en parlait. Je peux ouvrir la porte avec une cellule. Et ça me déborde vers un coffre. C'est bien ça. Avec un fouet dedans. Non merci. Bon, ça fait de l'argent. Bon, ça met du temps à tirer, mais alors quand ça tire. Je sais pas si je prends des dégâts d'explosion par contre. C'est vrai que ça je sais pas. Non, la preuve que non. Oh, c'est trop bien, je vais jouer avec ça tout le temps. J'ai gagné le jeu. Non, peut-être pas. Ça va être un peu plus simple. C'est vrai, mais je l'ai pas gagné pour autant. Oh oh. Ouais, j'ai réussi à tuer 30 monstres sans... Salut. Donne-moi la rune! Ah, c'est le doigt d'honneur. Ok. C'est pas moi. Pique verte. Là là là. Meurs! Elle est pas morte. Je pensais qu'elle était légendaire, ma truc. Ouf! Je vais prendre son projectile. Ces petites chauves-souris, c'est un enfer. Oh non. Oh, les coups de pied. Non, je préfère mon coup de poing. Attends, on va regarder quand même. Non, c'est mieux les coups de poing. Après, j'aurais pu mettre coup de poing, coup de pied, et puis... On aurait fait des trucs drôles. Mais non. J'ai une arbalète. Je suis pas là, j'ai... Par contre, là, j'ai peur en montant du truc au-dessus de moi. Alors, non. Ça, oui. Ça, c'est tellement bien que je le prends à la place de la grenade. Celle-là. Ah, la serration, c'est très très chouette. Faut penser à le faire, cela dit. J'ai pas encore utilisé mes objets. Alors, les toits de la prison, j'aime beaucoup. Oula, j'ai failli faire une connerie. On a encore pas mal de choses à regarder ici. Donc, on y va. Y avait rien là. Ah, y'a un objet à prendre que si t'as le son mural. I'm scared. A little. Oh, une pierre précieuse. Oh. C'était rigolo. La nuée. La nuée, c'est bien. Les victimes brûlent en mourant. Ouais.
Je préfère. Après, je peux jouer full rouge, là. La poison... La prison corrompue. La poison corrompue. Dis aux bêtes. On continue, hein. Ça fait des cellules. Oh là! J'avais pas vu, il avait une étoile, lui, dessus. Prends le rouge. Ah merde! Non! C'est bon. On est tranquille. Oups. J'ai fait n'importe quoi. Oh bordel, j'ai fait n'importe quoi. Je suis très déçu de moi-même. Oh. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Mêlée, distance ou bouclier? Mêlée. Je n'en veux pas, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Très bien, au revoir. Après, ma tête de mort, elle est passée en doré, donc s'il faut, j'ai validé la condition. Avant de me planter comme un caca. Alors là, je me souviens pas. C'est quoi ça? Un aimant. Est-ce qu'on a envie d'un aimant? Non. J'ai pas envie d'un aimant. Plap, 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 plap. Plap, 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 plap. Oh. Ah, c'est pas ouf ça. Bon, on va prendre la vie. Et voici la vie. Boum. J'envoie des ondes. Failli faire le con. Non, ça c'est pas ouf. Non, 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 non. Enfin, j'aime pas. Tiens, on dirait que j'ai débloqué une nouvelle zone. Ah, l'ancien réseau d'égout. Attends, mais il y a combien de trucs là? L'ancien réseau d'égout, ça existait déjà. Oui, oui, mais il y a combien de machins? Des champignons. Un grimoire. Il devient de plus en plus difficile de collecter les échantillons de moisissure dans ces égouts. Les revenants sont trop nombreux. Ah, ok. Il y a rien de caché? C'est tout? J'ai envie de faire les toits. J'aime bien les toits. Enfin, j'aime bien. J'ai plus l'habitude de faire les toits. Soyons plus honnêtes. Bon. On va voir si j'ai validé mon truc. J'aimerais bien, cela dit. Ah oui, ça a fonctionné, très bien. Oh, tellement d'argent. Et de cellules. Et oh, des objets. Épée équilibrée. Inflige des coups critiques après 10 coups enchaînés. Ça a l'air bien, ça. Eh, vas-y, je vais la prendre. Les victimes gèlent les autres ennemis. Oh, c'est trop bien, ça. On s'est bien amusés tous les deux. Petit gant, mais... Désolé. Faut à un moment donné que je pense à gagner. C'est bien de vouloir gagner. 52 cellules, ça avance vite. C'est bien ça. C'est pas mal. Alors, on va prendre... Réduire les délais de réutilisation. Non, taper un ennemi au corps à corps le ralentit. Il ne peut plus vous infliger de mal-être. Ça peut être bien. On va prendre Nécro. De toute façon, on peut plus prendre Lidgar, donc... Ensuite, on augmente ça. Paf! Applique de l'huile inflammable sur l'ennemi. Ça peut être bien si je fais ça à côté. Ouais, bon. 100% sur... Ah, merde.
100% sur celui qui brûle. Ça, ça peut être bien. On verra plus tard. Je vais pas dépenser tout mon fric. Je peux tout soigner. C'est bizarre. Allez, l'étoile. Bon, au final, je pense que ça va être qu'une partie. Ouais, mais ça va faire petit. Bon, on verra. Ça va faire petit pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, mais on va dire ça fait que 30 minutes. À moins que tu le colles avec autre chose. Bon, on va jouer avec ça. Oh, ça a détruit. Oh, vu que je lance une fléchette avant, c'est la fléchette qui a pété la porte. C'est trop bien. Et merde. Bon, mais ça commence bien. Bah, bravo, hein. Bel état d'esprit. Chapeau. Bravo, Nils. Bravo, Nils. Oh non. Petit argent. On n'a pas pris le croissant d'ailleurs tout à l'heure. Au final. J'ai dit, ah, avant de partir, faut prendre le croissant. On l'a pas fait. Faut que je prenne ce réflexe. La team. C'est mieux la chocolat team. Oui, mais bon, là, il y a des croissants, j'ai peur. Au moins, en fait, je pense qu'ils ont fait ça pour éviter qu'il y ait ce débat. Mais pourtant, ils sont bordelais. Hein. Ouais, mais ils auraient pu éviter de. Ouais. Voilà. C'est bien, hein? J'aime bien faire des explications claires et précises. Oh! Un nouveau schéma. Ouais. Alors, oui, bah, de toute façon, je joue rouge donc. Oh là là! Un nouveau schéma rare. Rare! Rare, doré. D'ailleurs, il y a eu la nouvelle extension, ça y est? De Hearthstone? Oui. 7 avril. J'ai vu qu'il y avait ma gueuf dessus, donc j'étais content. Oui, mais ça sera le 7 avril. Il y a ma gueuf. Les Maïeuvres en personnage, elle est là depuis un moment déjà. Ouais, mais moi j'y joue pas, parce que je suis nul. Bah, le jeu a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup changé, sincèrement. Genre, il est devenu plus simple ou c'est plus la galère? Ça dépend de quel point du jeu on se place. D'accord. Il y a tellement de choses, tellement de mécaniques que la méta change tout le temps. D'accord. Merde, je me suis trompé de bouton. Oh là là. La galère. En plus, il y avait ça là. Il y avait un trésor. De Kellogg's. C'est pas sponsor. Attends, moi j'aimerais bien être sponsor par les trésors de Kellogg's. Bon, il y a mieux. Eh, c'est quoi ça? Je la veux. Oh! Faut trouver la clé du jardinier. Mais je n'ai pas la clé du jardinier. La clé du jardinier, c'est que les profondeurs de la prison. Non, le chemin des condamnés, là, ou je sais pas quoi. Merde. Je suis déçu. Pont noir. Attends, mais j'ai déjà fini? Non. Le pont noir, c'est là où il y a le concierge. C'est le premier boss. Ouais. Le premier boss, ouais. C'est le concierge. Bon, on va peut-être pas commencer avec le pont noir, on va essayer de farmer un peu. Même si j'ai foutu en l'air mes conditions. Mais c'est pas grave. C'est quoi ce monstre? Pas le temps de niaiser. Fallait pas te TP dedans, toi. Bonsoir. C'est pas moi. Tu t'en vas. Je voulais te dire que je m'en vais. Non. Oui. Ah, à quelle heure? Ah, c'est bien ça. On dirait Maxime. Ah oui, quand même. Et on mange quand? Donc on va manger devant des gens. C'est chelou.
Il se passe des choses pendant le confinement, hein. Mm. Oh, je m'en fous. Oui. Aïe, aïe, aïe. Il me fait trop rire, MV, il y a son... Il y a sa gamine qui vient sur le stream. Attends, j'ai pas encore fait gaffe. En fait, déjà, il coupe la caméra. Normal. Oh, au début, on la voyait sur les premiers streams, mais je pense que sa femme a dû dire on va peut-être éviter, ce qui est plus que jouable, hein. Je vais pas critiquer. Mais ça me fait trop rire, parce que parfois, tu l'entends taper à la porte, il fait « Va jouer avec Mère !» Enfin bref, il me fait rire. Et il l'appelle bébé pour pas donner son prénom. Non mais c'est bien, hein. Ça doit être une sacrée gymnastique, hein, parce que il suffit que tu manques une fois de l'appeler comme il faut et enfin comme il faut. Tu vois ce que et Marcel. Et Marcel. Bon, ça se passe pas trop mal ce run pour l'instant. C'est que le début. Oui, c'est ce que je dis pour l'instant. Merci de me le rappeler. De rien. Salaud. Philippe ! Je passe toute petite épée. Tu sais qu'il y a des trous sur ce niveau qui sont plein de bonus. Il y a même un ultra bonus si tu vas tout à droite de la map, mais ça pop qu'une fois sur deux, ou je sais pas quoi, enfin... Merde! Ça, c'était pas prévu dans l'équation. Saloperie bouclier. Je sais même comment les mecs sont sonnés dès que tu ouvres une porte. Oh mon dieu, il a pété la porte! Alors que ça a l'air d'être des zombies, tu sais, ils s'en foutent pas. Oh la porte, franchement. Il m'a pas entendu quoi. T'as pas sonné? Non, c'est vrai, j'ai pas sonné. Ignore. C'est pour Jova! Pardon? Ben non. J'ai pas compris ce que t'as dit. Tu leur dis ça t'intéresse pas, tes satanistes. Ah. En général, ils s'enfuient. Gloire à Satan! Quoi? Je sais même pas ce qu'ils prônent. Ouais, mais bon. Bah, autant le dire, je m'en fous un peu. Enfin, je veux pas que quelqu'un arrive. Oh là 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 là. Et un marchand. Une nuée meilleure peut-être. Une bombe qui gèle. Ah, c'est bien la bombe qui gèle. C'est quoi la différence entre celle-là et celle-là? Des vers sautent des morts, les restes des victimes explosent. Elle est moins chère et je la trouve mieux. Bon, un jour j'utiliserai mes objets. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc je trace. Enfin, hier j'ai à moitié rigolé. On a commandé une pizza. Parce que c'était dimanche et que le dimanche on essaie de. Enfin, on essaie de se faire une petite soirée télé-canapé. Bref, s'en fout. Et le mec est arrivé vite. Il me fait ah, ça n'a pas été trop long. Je lui dis ben non. Déjà parce qu'ils te disent qu'il était en vélo alors qu'il était en scooter. Bon, ça je m'en fous, il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais c'est surtout qu'il me fait ah, c'est parce qu'il y a personne sur la route. Et là, je l'imaginais tout seul sur la route en mode là 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 là, je regarde même pas à droite, je regarde même pas à gauche, on s'en fout. Et c'est vrai que je pense qu'il y a pas grand monde sur la route. Au vu des images de run que j'ai pu voir, oui, c'est des zombies lents, quoi.
Ma mère, elle m'a dit heureusement qu'elle peut bosser, parce qu'elle se ferait chier à l'entrée toute seule. Mm. Oh non, j'atteins la fin de niveau, il n'y a pas le bonus. Urk. Bon. Eh ben, c'est fini. Donc on va aller faire le concierge. Qui risque de me mettre assez cher dans la tête. J'espère que je vais pas mourir dessus, cela dit. Ça m'embêtera. Mm. Je trouverais ça nul. Non, parce qu'il faut au moins que j'atteigne les premières forges, quoi. C'est le problème. Mm. Pour avoir les objets plus et tout ça, mais... Ah, c'était 60 ennemis, là. Waouh. Après, ça peut aller vite si t'es fort. Mais comme je suis mauvais... Les ennemis subissent 49 DPS tant qu'ils sont ralentis. 49, c'est pas ouf, hein. Après, c'est de base. Hmm. Ça peut aller vite. Ouais, ça peut aller vite. L'efficacité de la nourriture augmente de 100%. Si vous la recyclez, vous obtenez 91 DPS sur 300 secondes. Oh, c'est bien, ça. C'est pas mal. L'attaque qui suit une parade réussie inflige 274 points de dégâts. Pouah. C'est fort. Si tu joues full bouclier, ça peut être vraiment bien. Mais là, je vais aller sur l'or 5. L'or de je sais pas qui. De mon bon café. Non. Ah oui, wouh, c'est voilà. Là, je le disais aussi. Alors, les restes des victimes explosent, les flèches fichées sur les ennemis reviennent, on s'en fout. Les victimes gèlent les autres ennemis, ça peut être bien. Applique de l'huile inflammable, ça, je m'en fous. Ah, les victimes brûlent en mourant, ça peut être mieux. Et ça, ça fait quoi? Plus 50% de dégâts si vos PV sont au maximum. Ah! Denis Brognard? Oui, je suis Denis Brognard. Qu'est-ce qu'on prend là? PV plus 50%, la nourriture ne vous soigne plus. Ouais, non. Ouais, on va peut-être éviter. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, on va prendre mêlée. Hein. Ah. Merde. Ça va. J'ai réussi à me soigner jusqu'au bout. Comme ça, moi, je ferai 100% de dégâts en plus. Lui, il risque de me mettre, mais alors bien comme il faut. Enfin, j'utilise ma bombe qui gèle. Le concierge. Ouais, je l'ai raté. Ça tombe bien. Moi aussi, je l'ai ça. Ah, tu vas me dire, si je ralentis au corps à corps, ça peut être bien. Bon, pour l'instant, c'est un peu ridicule, hein. Mais j'ai peur quand il va phaser. Voilà, c'est là où je commence à avoir peur. Non, faut être derrière, ok. Non. Non, derrière. Voilà, avant qu'il fasse ça. Non. Non ! Voilà, j'ai pris des dégâts. Je voulais le faire sans dégâts, j'étais presque. Pas du tout. Ah merde le con. Ah non, je prends des dégâts. Non, arrête. Putain, j'ai pas assez fait le concierge pour connaître toutes ces attaques par cœur. Oh là là. Ah, se soigner. Bon, c'était bien parti et j'ai paniqué. C'est dommage. Oh, un nouveau plan. C'est quoi? Silex. What? Au début, j'ai gagné du silex. Au début, j'ai dit, mais t'es vraiment un New Game Plus? Oui.
Et après, oui, du coup. Bah, j'ai paniqué. Ouais, ça s'est vu. Putain, je suis dégoûté. J'étais là, waouh, super, je vais le faire sans prendre de dégâts. Eh non, Jean-Yves, non. Ah, alors. Bon, ben là, que 12, quoi. Mais ça avance pas vite, c'est nul. Ça peut avancer vite si je fais pas de dégâts, si je prends pas de dégâts, quoi. Et que je le fais en 15 minutes. Bah. Ah, c'est quoi Silex? Un coup maintenu inflige un coup critique et projette une traînée de flammes infligeant 186 de dégâts. D'accord, donc en fait je suis vraiment l'homme des cavernes, quoi. Ok. Salut. Non mais toi c'est bon, c'est fini. Ah, on peut se soigner. Alors, où allons-nous? Au guet des brumes ou au sanctuaire endormi? Comme tu veux. C'est quoi déjà le sanctuaire endormi? Je sais plus. Et là, je regrette. À moitié. À moitié, ouais. Oh putain, merde. Pourquoi je suis allé là? Je suis pas très fan de cette zone. Sauf que je me souvenais pas qu'elle s'appelait comme ça. Oh la merde! Commencer avec un enfumoir là. Merci quoi. Mais. Je fais pas de dégâts ou quoi? Ah ouais, je fais plus de dégâts, il va falloir que je change d'arme. D'accord. C'est là où ça commence à être dur, c'est ça? Il était penché, genre... Il faut que je fasse gaffe à la brume. Ah, ça m'embête. Pour être poilu. Oh, la poêle! Oh, je veux la poêle! Ah, il faut que j'économise 10 000! Bon, on va le tenter. Ah, je veux la poêle. Encore? Ah, le crochet, c'est pas mal. Enfin, ça dépend comment on joue. Ah ben non, je peux pas parce que j'ai pas débloqué le bouton. Bon, c'est un niveau un peu relou. Eux, ils sont tellement pénibles. Mais comme j'ai une arbalète, ça va aller plus vite. Alors, deux fois. Ah! Mais... Oh là là, ça y est, c'est la galère. Merci. Non! Ok. Elle est où, là, l'enfumeuse, là? Ah, elle est là, mais il y a un mec à côté d'elle. Ouais, je l'ai eu. J'ai roulé dedans. Bordel de merde. Crotte. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh là là. Ça signe peut-être la fin de la partie, malheureusement. Bon, soit concentré. Je vais y arriver à les tuer. Oh! Il me faut de la force. Plus, il m'en faut plus. Je savais qu'il y avait un brouillard. Je l'ai vu, j'ai reculé dessus. J'ai roulé en arrière. Faut pas rouler en arrière. Faut pas se relever trop vite, apparemment, aussi. Oh, non! Bon, on va jouer de loin. Merde. Boum! Hihi.
Ah, des croissants, merci. Pas de pitié. Je me sens pas très bien. Là, je me sens pas serein. Et surtout que là, c'est que le début. Il y a la deuxième partie du niveau après. Il y a du brouillard là ou pas? Ou c'est le niveau qui fait comme ça? C'est le niveau qui fait comme ça. Ouf, gros secret. Oh mon dieu. C'est bon. La deuxième partie du niveau est activée. C'est là où ça risque d'être pas la fête. Ce serait bien de redescendre. Salut Dacon. Hello Dacon. J'ai peur. Non, ça ne dit rien. Dacon, pour te dire, demain soir, vers 18h, ouais, vers 18h, 18h30, on sera sur Dofus. Ah. C'est ça qui se réveille. Ouais. Oh, je sais plus s'ils font mal. Je veux pas. Ah oui, ils le font. Ah oui. Ah, on sent bien le fruit. Aïe, 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 aïe. Je veux pas. Oh, ça va. Putain. Demain soir, il y a le start temporis. Oui, et on espère que ça va nous foutre la paix, parce que pour se connecter au jeu, c'est l'enfer. Hein. C'est ça qui nous intéresse à nous. Apparemment, la première classe. Ils ont. Fallait se préinscrire pour le Temporis. Et la première classe. Enfin, la classe qui a été le plus choisie, c'est Xelor, si tu dis pas de bêtises. Après, c'est Ekaflip. Non, il va faire mal. Arrête! Oh ah, bah ça y est, il m'a comboté. J'ai perdu les trois quarts de ma vie. Oh là là, mais quel enfer! Oh non! Vite, du rouge! Du rouge ou du vert? Parce que là j'ai beaucoup plus de vie. Ouais. Oh. J'ai peur! Et oui, Xeleka. Après, je crois que c'est Helio, mais je suis pas sûr. J'ai pas tout regardé non plus. Je crois que la classe qui a pas été prise du tout, c'était... Eni? Non, je sais plus. Mami? Eni, Eni Ripsa. Pourquoi tu te moques de moi? Non, j'ai dit Nani. Nani? Ah, y'a un truc là. I'm scared. Bon, y a rien. Oh, heureusement que j'ai pas. Heureusement que j'ai pas dashé vers le bas. Épique. Ouais. Écolégramme. Après, je peux faire ça pour scouter, genre. Y a rien. Ah ben, y a vraiment rien. Mais ça dévoile pas la carte. C'est dommage. Bon. On va aller vers le Sipus. Je sais pas parler. Le sépulcre oublié. Est-ce que j'ai de l'argent? La poêle. Ah oui, mais c'est pour ça. Est-ce que j'ai de l'argent? Oui, j'ai de l'argent. La poêle, la poêle, la poêle. Ah oui, c'est pour ça. Que c'est... Non. Merde. Ah non, oh, mais putain, eux, c'est vrai. Non. Bah oui, ils sont venus. Enfin, elle est... s'activer tous les autres monstres. Oui, la poêle. Attention. Elle est pas... Elle est forte, hein, mais elle est pas folle sur les... Sur... Va falloir la refaire. Ouais. J'ai plus d'argent. Pourquoi là-haut ça n'a pas été fait? J'ai peur. S'il y a un gros monstre, je cours. Attends, hein. Hein? Bah attends, change de zone. Hein. Mais non. Ah ah, il y a un coffre là. Là, c'est gratuit, ça. On le prend. On aime quand c'est gratuit.
C'est pas ouf ouf. Donc on le recycle, ça fait de l'argent. Y a pas un secret, un croissant là quelque part, non, hein. De toute façon, je crois que je les ai tous pris les croissants dans cette zone pour l'instant. J'en ai pas laissé par terre. T'as pas de pitié pour les croissants? J'ai pas de pitié pour les croissants, non. Ouais. On est vieux. Ouais. Référence Club Dorothée, quoi. Ouais, donc on a plus de 10 ans, ça c'est clair. Bon. Oh la poêle. Bong, bong, bong. Non, non. Run. Ah, bordel. Ce bruit de poil est génial, quoi. Bong, bong, bong. Ah, il y a un coffre. Ah, il n'y a pas de coffre. C'est trop drôle la poêle, sans déconner. Non, non. Là c'est plus drôle. Oh là là, mais ce qu'il m'a mis, mais c'est vraiment pas marrant lui. Pff, allez, je tente de me soigner, on va voir si je peux le passer. Il m'a attiré. Oh là, enfoiré. Non, c'est pas drôle, il va me tuer en fait. Ah, il va me tuer. Ah non, c'est vraiment pas drôle. Meurs. Oh la vache. Mais y'a pas de croissant. Heureusement que j'ai su gérer son machin, hein, parce que... Au début, j'ai pas compris ce qu'il faisait. Oh, la tour de l'horloge. Eh oui. Oh putain. Je vais jamais y arriver. Je suis sûr que je vais arriver, ils vont même pas me filer de quoi me soigner. Genre, non. Non. Alors, on a le choix entre la tour de l'horloge et le sépulcre oublié. On va aller à la tour, parce que le sépulcre, c'est l'enfer. Hein. En même temps... Ouais, mais là, les deux maps. Hein. Oh là là, mais je vais mourir. Mais vous allez mourir. Ouais, 60, ouais. Attends, mais la tour de l'horloge, c'est le boss ou pas encore? Non, c'est pas encore. J'espère pas. Salut. Oh non. On va juste changer les modificateurs, là. Non. Bon, ben, je peux plus. Merde. Les victimes, j'ai les autres ennemis. Bon, ça peut être bien. Et lui, c'est l'enfer. Oh non! J'en ai qu'une. Bon, ben, c'est foutu. Ah, oh, mais la gardienne, mais je vais mourir. Je pense que je suis mort sur ce niveau et pas sur la gardienne. C'est, regardez, le monsieur est par terre, il saigne du nez. Je veux dire, il n'y a pas d'ennemi. Non, ça se lance après ça. Oh non. Non. Au revoir. Je m'en vais. Je veux repartir chez moi. Attends. En parlant de ça. Oh non, il y a une porte. C'est pas drôle. Ah. Congélation. C'est non. J'ai bien fait de redescendre. Mais tu vas monter, oui. Bon, allez. On se sort les doigts et on y va. Ok. Y'a personne. C'est quoi ça? Ça, c'est nouveau. Je connais pas ces monstres.
Ah, ils font peur. Il s'est téléporté. Oh non, non mais non. Eh, vous êtes pas rigolo. Hein? Ah, c'est lui qui a fait ça. Salaud. Mais... je peux pas les tuer. Oh, le croissant. Jamais été aussi content de voir des croissants de toute ma vie. Quoique, quand tu te réveillais le dimanche et que maman était partie chercher les croissants, ça n'a pas de prix, ça. Combien de fois je vais à la boulangerie quand j'ai pas grand chose à faire le matin? Le matin, quand je me lève très tôt. Quand? Je vais chercher... Pendant ta période de confinement, c'est pas bien? Non, non, pas le confinement, je suis sage, mais vraiment... En temps normal, le dimanche, je me lève super tôt et du coup, je vais à la boulangerie. Ou alors, c'est après une nuit blanche, bah du coup, c'est la petite boulangerie. Pareil, quand je demande... Ah la vache, je vais mourir. Même ça, bien avant. Je vais chercher le petit déj. On se soigne, pas le choix. Merde. Oh mais là-haut c'est l'enfer. Mais. Oui, des dégâts en plus pour aller plus vite pour les tuer. Enfin, ça c'est sûr, on y arrive. Bon. Oh mais la gardienne, elle va m'éclater la tête. Si j'y arrive, ça c'est autre chose. Oh là là. Je savais pas que la poêle elle se tenait. Parce que là, j'ai un ennemi, mais plein la tronche à lui. Et toi, je te stun. Bam, bam. Eh, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. J'y arrive un peu mieux. Allez, on va prendre du vert, hein. Voilà, faut prendre de la survie. La poêle MVP. Elle est aussi... Ah non! J'aurais dû tirer un coup en plus, je me suis dit, ouais, je vais lui mettre un coup de poil. J'ai perdu de la vie très bêtement. Est-ce qu'on peut avoir une poêle meilleure? Non. Ah! J'ai trouvé une porte. Attends, mais quoi? Ah, une clé! Une clé de l'horloger. Mais que le fuck is going on? Mais c'est quoi ça? Ah, c'est pas la suite, c'est un TP. Non. J'ai pas beaucoup fait la tour de l'horloge. Bah, en fait, pour pouvoir passer à la prochaine zone de la tour de l'horloge, tu dois avoir toutes les clés de l'horloge. Oh non. J'ai trouvé une zone secrète. Un sac en toile. Oh, une baguette! 50! Non! J'ai revendu la baguette. C'est pas drôle. Putain, il y avait un truc à faire. C'était récupérer la baguette. Non, je l'ai pas fait. Ah, mais ça allait me soigner de quasiment toute ma vie. Je suis un imbécile. Non, c'était gratuit, putain. Mais quel imbécile. Ouais. Ah bah merci. Mais quoi, qu'est-ce que je te dis? Mais non, c'est pas grave, tu vas y arriver. Tu parles, ouais, t'es un gros con. Ok. Oh non, j'ai tellement les boules. Oh la vache. Ah, je suis pas fier, là. Ah, mais il me faut clé du clocher, c'est pas pareil que le... Hein? C'est quoi la clé du clocher, comment on peut l'avoir? Il y a des trucs que j'ai jamais fait dans le jeu. Bon, là il risque d'y avoir des ennemis, donc on reste zen. On s'affole pas. On ouvre les portes.
toi tu vas pas me réavoir, hein. Oh non. Je joue de loin et je m'en fous. Non. Putain, j'ai pris des dégâts. Et il me regarde. Je sais que tu es là. Même il est tombé. Oh la vache. Oh, je vais prendre des dégâts. Parce que là j'en ai besoin, j'ai pas besoin de vie. Enfin. Si, dans l'absolu, mais. J'ai besoin de dégâts pour finir les monstres plus vite en fait. Salopard à te téléporter là. Non 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 non. Ok, mais eux ils se téléportent, ils me font moins peur. Mais par contre je pourrais jamais avoir leur plan s'ils continuent à se téléporter comme ça. Oh non, j'ai fini. Attends, quoi, je peux pas aller ailleurs? Et elle est où la clé du clocher? Je comprends pas. T'as une zone que t'as pas faite. Ah bon, où ça? En bas. Ah, mais il y a une porte. Bah, y a des portes. Tu poursuis l'aventure. Mais il y a des portes partout, je peux pas en fait. Mais t'as des clés? Mais non, j'en ai qu'une. J'en avais qu'une. Est-ce qu'elle fonctionne pour toutes les portes? Je vérifie. Vérifie en faisant attention. Oui, oui, j'ai failli prendre le truc. Ah, putain, il s'est tépé ailleurs en fait cet enfoiré. Alors, quelle porte j'ai ouverte? J'en sais là, elle est fermée. Oui, parce que normalement c'est que vers les serrures que je dois aller. Ah, oh non. Courez. Ah non, là non, non, là non. Pas une élite, pas maintenant. Ah non, non, pas maintenant, c'est pas marrant là. Putain. Ah oh. Non, viens là-dessous. Ah oh. Yes. Révèle les ennemis invisibles. Les attaques plongeantes brûlent le sol. Ah, oh, c'est bien. C'est tellement mieux que ce que j'avais. C'est la PLS par contre. T'avais pas encore de talisman? Non, j'en avais pas trouvé. Saloperie, toi! Arrête! Elle est où la baguette? Oui, ma baguette! Putain, mais j'ai viré la vie, quoi. Je vais devoir me soigner en fait. C'est. Ouais. J'ai pas le choix. Ouais. Je regarde ce qu'il y a au-dessus vite fait. Doucement. Tout doucement. Ok, je suis obligé. Sinon je vais crever. Tant pis, hein, je joue à l'arbalète, mais je veux gagner. C'est un peu le but du jeu. Gagner. Il y a un truc invisible. Bim! Je t'ai vu. Aïe! Salaud! Ah, mais merde! Toi aussi, là, va-t'en. Salopard. Il me faut des dégâts. Et de la vie. Bon, de la vie, là, j'en ai, mais j'ai pas envie de la loser. Ah super, des trucs à vendre. On s'en fout, en vrai. Non, on s'en fout. Oh non, pas eux. Mourez. Tiens, c'est bizarre qu'ils foutent les archers en... de base. Y'a rien dans les cloches.
toi là-bas. Non. Oh, un croissant. Yes. Oh, des cellules. C'est gratos, on aime ça. Bon, c'était un peu la galère, faut pas se le cacher. ça veut dire que partout il y a des portes quasi fermées, ben faut que j'y aille. Non, 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 faut jamais descendre comme ça, c'est être complètement inconscient ça. Voilà, c'est, j'avais plus qu'à tomber là-dedans et c'était fini. Mm. Là aussi, il y a des pics en dessous, hein, putain. Ok. Clic. Alors. Où est le deuxième ici. Oh, je me suis tellement fait caca dessus, là. Allez, c'est parti, nouvelle zone. Pompe à côté d'un ami, c'est pas cool. Salaud. Et vous me... Oh ! Un bouclier de la cupidité. Une parade réussie fait tomber les dents des ennemis, transforme les flèches en or. La valeur des récompenses augmente si vous avez moins de ça d'or. Incolore, attaquer juste après une parade inflige 300% de dégâts, absorbe 95% des dégâts provoqués par des projectiles si maintenus. Les coups critiques infligent 20% de dégâts. J'hésite. Ouais, mais non, je vais jamais y arriver. Vaut mieux que je joue de loin avec ça. Ouais. Je vais rater toutes mes parades, ça va m'embêter. Et je vais mourir très vite. Bon, on augmente encore les dégâts, c'est bien. Oh, cool! Une porte à 1. J'espère qu'il n'y a pas de piège. Non, non, hein, c'est des... Ah, c'est pas que des bonus, il y a des ennemis apparemment. Oh non. Oh, j'ai découvert un truc génial. En ce moment, je fais pas mal de TFT. Mm. Enfin, pas mal. J'y joue, allez, je fais quoi? Deux parties par... Pas tous les jours, mais... Bon bref, je joue au TFT. Et Rakan, quand il gagne, il fait... Et maintenant, ça fait tchik tchik boum, tchik tchik boum. Ah, c'est lui. Ouais, c'est Rakan qui fait ça, je trouve ça très drôle. Ah, le tchik tchik boum, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Ouais, c'est Rakan qui fait ça. Putain, mais... Il me voit à... tellement loin. Meurs, chapeau man. Et c'est de le voir lui là en mexicain, ça m'a fait penser. D'accord, ok, je vais chercher. Oh, j'ai la clé du clocher. Elle était dans la cloche. Jusque là c'est clair. J'ai roulé dans les pics, putain. Une pelle. Ne peut être interrompu par les coups ennemis, les restes des victimes explosent, tirent une flèche. Mais c'est nul la pelle. Mm. Ah, c'est bien bien mauvais, ouais. Oh, j'ai la clé du clocher, alors c'est où? Là-bas. Oh, c'est trop bien, je vais enfin ouvrir une zone que j'avais jamais ouverte. Et c'est pour avoir un plan. Punition. Ok, si vous voulez. J'ai froid. Ça me file plein de... Comment ça s'appelle, hein? De frissons de jouer à ce jeu. Notamment, je me fais caca dessus. Pourquoi je vais là? Sachant que là, oui, c'est juste ouvert et puis bon. Ok. Eh ben, on va à la salle de l'horloge et puis on va essayer de tuer la madame. Après, la madame... je sais à peu près comment elle se bat. Ah, mais c'est salle de l'horloge. La suite. Ouais.
Ah, faut monter. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas de trucs qui sont cachés là. Pendant mon ascension. Si, il y en a un juste là. Bim. Non mais oh, je vous vois, vous croyez quoi? J'espère qu'ils vont me filer toute ma vie, parce que là, j'en ai chié. Non, c'est ça, c'est une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non, mais... Il suffit que, et je me fais avoir. Oh, il me manque 10 cellules. Je peux l'améliorer. Les coups critiques infligent 20% de dégâts en plus. C'est fort, ça. Les victimes brûlent en mourant. Pas mal, pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, allez. Oh, oui. Oh. J'ai peut-être une chance. Salle de l'horloge. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur que tu te blesses. Bon, il faut croire en moi, là. Mmh. Je crois en toi, Guillaume, de croire en moi. D'accord. Merci. Ça commence bien. Ah. Bim, bonk. Non. Oh non, non, non. Ça, je peux pas les renvoyer, hein. C'est shuriken à la con. Bon, elle est mi-vie. Mais c'est là où ça commence à être difficile. Donc on va se soigner de 1. Ouais, ça, là c'est la galère. Là. Après, j'ai fait des dégâts avec ma poêle nulle. Meurs! Parce que c'est tout ce que je peux faire pendant que je collais à toi. Putain, ce qu'elle m'a mis. C'est le soin. Je peux pas. J'ai pas pu me soigner, putain! Bon, c'est pas grave. Eh ben, j'aurais tenté. Mais j'ai spammé le bouton de heal et ça m'a pas heal. Ça, j'aime pas ça. Quand je fais ça. Parce que je l'ai littéralement spammé. Ça se voit sur le replay. Le mec m'a du tout énervé, quoi. Elle ça se voit sur le replay. Hein? Elle t'avait accroché. Attends, quoi? J'ai un plan elle sur l'archer nul? Apparemment, j'ai un plan sur l'archer nul. Bon, ok. Oh, ça m'embête. Mais bon, au final, j'ai tenu quoi? Une heure? Tu es à... Ah, 1h08. C'est pas mal. Bon, ben, j'ai peut-être arrêté là, dans ce cas-là. Oh, j'avais pas vu la Triforce en bas, là. La Triforce en bas. La Triforce en bas... Oui, enfin, à côté du tuyau où tu mets l'œil, là, pour le N+1. Ouais. Un peu plus sur la gauche, à côté de la flamme. Ah oui, il y a une petite Triforce en tas de bois, ouais. Voilà. C'est vrai. Bon, je suis un peu déçu, parce que j'ai spammé le heal. Mais ouais, je savais qu'elle allait me cogner dessus. Genre très fort. Après, quand on regarde la partie en soi, j'ai pas eu de très très... Enfin, l'arbalète, au final, je l'ai gardée, je sais pas si c'était bien. Bah, j'ai pas eu d'autres arcs, cela dit. Franchement, elle était pas si mauvaise. Ce qui t'a pénalisé, et c'est vraiment très très bête, c'est le fait d'avoir vendu la baguette. Ouais. Non mais la baguette ça m'a foutu dans le mal mais complet. Après pas tant que ça parce qu'au final je suis reparti, j'ai fait tout le niveau en plus sans ma baguette et j'ai eu tout mon heal et j'ai eu tout le heal pour la gardienne, hein. elle m'a cassé les dents. Mais ouais, je pense que ce qui m'a mis dedans c'est déjà j'avais pas de collier pendant un sacré moment. Mais j'ai pas croisé d'élite non plus. Ça, j'y peux rien. Et mes armes, malheureusement, elles étaient pas faux folles, quoi. C'est l'arbalète, certes, elle prend le plus grand niveau, mais elle était que niveau 1, voire 2, je crois, avec un plus.
c'est pas fou. Et ma casserole, elle était niveau 5, alors que je pouvais acheter du niveau 7, je crois. C'est pas grave, hein, soit. Bon, bref. J'ai envie de dire à la prochaine, sans vous donner de planning, parce que je sais pas ce que j'ai envie de faire. Voilà. Mais la prochaine, c'est de... Oui, la prochaine, demain. C'est demain, on fait du Dofus. À 18h, 18h30, on sait pas encore. En fonction des disponibilités de chacun, parce qu'il y a des gens qui travaillent encore, en télétravail. Et puis voilà. Pour du Dead Cells ou pour autre chose, ben on verra plus tard, tout simplement. Allez, si les serveurs le peuvent. Tu si parles de Dofus, ben en fait, c'est faut juste qu'on lance le jeu très tôt, c'est le problème. C'est pour t'expliquer, ça en gros, ben je pense que toute la France est remise à jouer à Dofus, donc déjà ça aide pas. Et en plus, notre serveur à nous est international. On a les Espagnols, on a des Anglais et je sais plus qui. Je crois que Dofus n'est pas dans. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui jouent à Dofus en vrai. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a, hein, mais il n'y en a pas des masses. Donc le fait est que tout le monde se connecte en même temps et il y a des files d'attente de plus de 3000 et quelques personnes. Et donc tu mets 3 heures à te connecter au serveur. C'est incroyable. Littéralement 3 heures. Hein. Oui, c'est littéral, c'est pas pour déconner. Donc généralement, moi je lance le jeu le matin quand je fais rien et tant pis, quitte à prendre une place pour après être tranquille pour le stream. Je préfère faire ça, quoi. Voilà, bon, sur ce, à demain. Et d'ailleurs, pour Dofus, petite surprise, avec l'aide de Loulou, je suis passé full air, je fais enfin des dégâts. D'accord. Genre, sans déconner, j'en fais, c'est incroyable. Je fais du 200 et quelques par tour, c'est trop drôle. Bref. Sur ce, la bonne soirée. Si oui. Je reviens pas plus tard, normalement je pense pas. Et puis, à demain. Tout simplement. À demain. Au revoir. Au revoir.